fait, ici, la question qui s'était posée, c'est comment apprendre la voix, porter la voix des paysans, le sens de la mise à l'ordre de CDN et puis de politique agricole. C'est ça la question qui s'était posée. Mais on s'est dit que même au niveau national, nous avons une difficulté de faire comprendre aux autres ministères sectoriels. La dernière fois, on a posé une synergie. On n'arrive pas à faire comprendre aux autres ministères sectoriels, au niveau central, ces questions-là. Donc on s'est dit que la meilleure adaptation, on doit se faire, c'est au niveau local. Donc il fallait faire en sorte qu'on arrive à organiser le niveau local pour qu'on puisse comprendre là où on va, où est-ce qu'on est, où on va pour avoir ce qu'on appelle la CDN, ce qu'on appelle les politiques nationales agricoles. Parce que le projet de CDN tel qu'il a été fait en Afrique, en tout cas en Afrique de l'Ouest, il a été très rapidement fait, il n'a pas pris en compte les questions, les constatations régionales, sous-régionales et locales. Si vous parlez de repas par exemple, est-ce que dans vos objectifs ou dans votre stratégie de repas, vous avez créé des repas locaux? Si vous avez des repas locaux, ça peut être aussi une filière pour que le niveau local, les paysans, les vrais paysans, donc les petits paysans, puissent comprendre où on y va. C'est ça, donc on s'est dit que si, à défaut de tout ça, il fallait qu'on les organise. Il faut qu'on fasse leur capacité pour qu'ils puissent comprendre où nous allons, où nous sommes, où nous allons. Sinon, leur voix ne sera jamais entendue par rapport à ces questions-là. Voilà ce que nous.